Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série sur Minecraft, mais attention, pas n'importe quelle série. Eh ouais, aujourd'hui, alors je vous le dis direct, on est en train d'enchaîner les nouvelles séries de type original sur ma chaîne, attention ça rigole plus hein. Non je rigole, on n'est pas là pour, tu vois, je suis quand même modeste. Aujourd'hui, nouvelle série, j'espère que ça vous plaira, série créative. Et en facecam d'ailleurs, bonjour à la facecam au passage, ça fait plaisir. Pourquoi en facecam? Bah parce que... dans cette série, il va falloir que je vous explique mes façons de penser, de faire certaines choses. Et le truc, c'est qu'en facecam, c'est quand même plus pratique, étant donné que je peux bouger mes mains, je peux à peu près vous montrer mes idées. Cette série, alors je n'ai pas de nom, je sais pas du tout comment on va appeler cette série. Mais l'idée, ça va être de créer un parc d'attractions. Voilà, c'est tout. L'idée, ça va être de créer un parc d'attractions, alors en créatif, évidemment, parce que bah, on va pas faire ça en survie. Pourquoi je me suis dit ça? Je me suis dit que ça pourrait être super cool de faire ce projet-là en fait. Parce que à force de découvrir vos maps, de les tester, de les critiquer positivement, négativement, constructivement, tu m'as compris. Je me suis dit, il faudrait que moi, j'essaye maintenant. Parce que à un moment donné, c'est bien beau de dire ouais, les abonnés, faites-moi des maps, parcs d'attractions si vous voulez. Moi, j'adore les parcs d'attractions. Je vais tester, etc. Je vais dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Mais je me suis dit, avec tous les conseils que je vous donne, je pourrais en faire un moi-même. Voilà, du coup j'espère que ça va vous plaire, ça prendra pas mal d'épisodes, ça c'est sûr. Et évidemment à la fin, si ça donne un super résultat, et je compte bien faire un super résultat, vous allez comprendre pourquoi juste après, eh bien je la mettrai en téléchargement évidemment, pour que vous puissiez y jouer. Dans cette série, j'aurai l'aide de plusieurs personnes, ça dépendra, mais notamment de Lycoon, comme il était prévu. Franchement ça me fait très plaisir de l'accueillir. Donc Lycoon, je rappelle qui c'est le créateur de Minemios. Et Minemios, disons que... c'est badass, vraiment, c'est balèze, c'est tout ce que tu veux, bah, c'est un parc d'attractions que voilà, la vidéo la plus populaire de ma chaîne, bah, c'est Minemios, c'est découverte de cette map créée par Lycoon, enfin c'est plutôt le fondateur j'ai envie de dire, et franchement c'est une map qui m'a envoyé du rêve, et franchement j'ai envie, on va pas le copier, mais on va... lui demander des conseils, il va être là des fois pour certains épisodes, on sera en conversation avec lui, il me rejoindra sans doute sur le... là en fait on va lancer un monde en solo, mais je pourrais très bien le passer sur un serveur, comme ça on pourra être à plusieurs pour construire. Donc voilà, j'aurais notamment besoin de l'aide de Lycoon, et pourquoi pas demander de l'aide à d'autres personnes, parce que l'idée ça va être de faire un parc d'attractions en rapport avec ma chaîne YouTube. Et de mettre des petits clins d'œil dans ce parc d'attractions, et de faire des constructions aussi à côté, tu vois, genre des constructions, les rails ils passent dedans, etc. Et je pourrais pas faire ça tout seul, mais on va faire un maximum de choses ensemble. Et justement, je vous propose en commentaire de me proposer des constructions, des défis. Tu vois, on peut quand même faire des défis en créatif. Par exemple, voilà, construit la maison, machin. Voilà, vous pouvez me donner des objectifs en commentaire de construction à faire. Également d'attractions, c'est-à-dire que si vous avez une idée d'attraction qui pourrait être sympathique pour le parc, eh bien je suis preneur. Donc allez-y en commentaire, il n'y a pas de souci. Ce qui est bien avec cette série d'ailleurs, c'est que vous pourrez interagir avec moi, et finalement les sorties des épisodes, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que je peux très bien tourner à l'avance 10 épisodes, vous pouvez proposer plein d'objectifs en commentaire sur n'importe quelle vidéo. C'est pas comme Madventure, parce qu'en créatif, bah, on peut se permettre de faire plein de choses en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est génial, c'est parti. Créons un nouveau monde, Create New World, en créatif. Alors on va l'appeler. En fait, je pense que ce sera le nom de la série finalement, parce qu'on va pas, se fouler la cheville hein, pour le nom du. On va l'appeler. Ah putain, j'avais une bonne idée, je l'ai oublié. Copark, c'est de la merde. Ça pue la merde ce nom. Mais on s'y fera, je pense. Allez, on fait ça. Donc dans More World Options, on va mettre Super Flat, pour la simple et bonne raison que on pourra faire de la décoration, du terraforming autour. Par contre, on va customiser, parce que s'il n'y a que 3 de hauteur, on va pas aller loin, ça c'est moi qui vous le dis. On va aller dans Presets, et je sais plus comment on fait, mais à l'époque j'avais une bonne technique. Use Presets, ah bah parfait. Donc on a la bedrock, on a 50 blocs de stone, on a un peu de terre et on a l'herbe. Parfait. Down. Et les structures, on va mettre off. Down. Et bah c'est parti, Create New World. On a pris un petit peu notre temps ce début de série, mais en tout cas j'espère que ça va vous plaire et que vous serez nombreux à suivre la série. Waouh, c'est beau. Alors par contre le shader, je vous avoue, on va peut-être pas le garder hein. Il va falloir qu'on se concentre un maximum sur cette série. Donc on va enlever le shader, parce que sinon on va pas être attentif. On le mettra de temps en temps pour voir comment ça rend. Oh putain, ça rend tout dégueulasse. Oups, j'ai mon skin. Fallait pas que j'ai ce skin, bon c'est pas grave. Alors, on va commencer par faire une entrée déjà, parce que on va pas se mentir, il faut commencer par un début. Là, franchement, pour le coup, l'avantage de créer un parc d'attractions et de commencer par le début éventuellement, c'est que là, pour le moment, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Parce que là, en fait, on s'en fout de la taille, on s'en fout des limitations, en fait. Là, on va juste faire l'entrée, tout simplement. Petite précision, j'ai fait un screenshot, j'ai pas fait exprès. Nous sommes en 1.10, ce qui signifie qu'on va pouvoir exploiter plein de blocs et plein de choses. J'aimerais juste vérifier un truc, parce que je suis pas très fort pour vérifier. On est en 1.10, est-ce que les minecarts sont bien? Ouais, c'est bon. C'est bon, et attends, je vais juste faire un test. Par exemple, il faut toujours faire des tests avant de commencer une série, tu vois. Est-ce que si je tourne, le visage tourne? Ah, fait chier. Ah, c'est pas grave. Donc, faut tourner vraiment avec la souris. Ok, donc ça, c'est bon à savoir. Alors, je vous le dis tout de suite, on va, pour ce parc d'attractions, se baser sur l'automatisme. C'est-à-dire que je ne veux absolument pas que les joueurs qui joueront sur, la map appuient sur la touche avancée. À aucun moment, enfin, sauf pour marcher, c'est-à-dire que ils sont là, tu te mets dedans, tu ne dois plus toucher au clavier. Terminé. Parce que des fois, il y a des bugs sur certaines maps, il faut que tu appuies, sinon tu recules, etc. Là, non, on va vraiment se baser sur l'automatisme. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais voilà, ça c'est dit. Donc, c'est bon à savoir. Donc, on va pas faire des attractions tout de suite, hein, on n'est pas là pour ça, les gars. On va commencer par faire une petite entrée. Et encore une fois, en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des objectifs, des idées d'attraction, de construction, des conseils, si vous avez des conseils. Et voilà. Puis si vous connaissez d'ailleurs un youtubeur spécialisé dans les parcs d'attractions, non je sais pas pourquoi je dis ça, mais sait-on jamais, ça peut être sympathique. Alors on va se, bon on s'en fout, on va se mettre là en fait, et on va, alors il faut, en fait je me rends compte que ce casque ne sert à rien. Je n'ai vraiment pas besoin de casque pour cette série, c'est génial. Alors on est d'accord que il faut choisir le sol. Il faut choisir le sol. Le sol, je vous le dis direct, il faut qu'il soit en slab. Ça c'est sûr, il faut qu'il soit en slab pour pouvoir faire les montées, les escaliers, etc. Des trucs cool. Le problème, c'est que si je prends de la stone brick slab, c'est pas original. Je vais enlever le jump automatique. Mais en même temps, c'est pas original, mais en même temps, il n'y a rien d'autre qui est bien. Genre slab. Eh, tu vois un parc d'attraction avec ça au sol? Non, ça ce sera pour les toilettes, ça. Pour les toilettes, attends. J'ai déjà des bonnes idées, ça sera pour les toilettes féminins ça. C'est très sexiste, vraiment, ne suivez pas mon exemple. Attends, on a quoi? On peut faire du bois et tout, mais c'est bête. Le quartz, ça va pas aller. Donc en fait je pense que... Ah après il y a ça aussi, mais c'est pas non plus original en fait. Dans tous les cas c'est pas original, et dans tous les cas en fait les deux sont très bien. On pourrait faire un mix des deux en fait. On pourrait faire un mix des deux, hein, très clairement, c'est pas... En fait faut qu'on pose random, regardez. Il suffit juste de poser, eh les gars, on va faire ça comme ça. Tu poses random ça, voilà comme ça. Hop hop hop, enfin pas trop non plus random mais. Et puis après tu poses random ça. Voilà, en fait il suffit juste de... Non en gros l'idée c'est de faire un sol comme ça quoi. Non pas comme ça, on va éviter de mettre du... Bon en tout cas les amis, on va faire ça comme ça déjà. Donc le sol il va être comme ça, ça paraît dégueulasse, ne vous inquiétez pas. De toute façon évidemment je sais pas combien de temps va durer cette série, mais dans tous les cas on aura le temps de faire plein de rectifications, mais sachez que de toute façon je ferai des trucs en off, ça c'est sûr, des trucs qui me prendront du temps. Alors faut pas être, j'espère que ça vous fera vraiment plaisir en tout cas cette série, que vous serez nombreux à la suivre, mais faut pas attendre des épisodes tout le temps régulièrement et tout, c'est à dire que ça va me prendre quand même beaucoup de temps à organiser, enfin à organiser, à faire les trucs tu vois, parce que entre mes autres séries à faire des trucs en off et tout, enfin vous comprenez je pense, mais c'est pas ça. Ce sol là va être pas mal les gars, je vous le dis. On peut même s'amuser à dessiner des formes, bon on va pas non plus trop en abuser, mais et voilà. Donc là on a déjà un petit peu l'idée du sol, comment il va être à peu près. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal je trouve, franchement ça peut être pas mal. Alors ici je pense qu'on mettra une sorte de parking, hein, c'est pas... ouais, parce que là ce sera l'entrée, donc là il y aura un parking. Le parking il va être genre là comme ça. Donc l'entrée va être ici. Donc déjà on va faire une marche, on va faire un surélèvement, ça ne veut rien dire. On va faire un surélèvement, et comment on dit? Un surlèvement, voilà. Je sais pas si ça se dit. Est-ce qu'on peut avoir de la stone mais sans slab? Genre la stone comme ça mais... Ça. Attends. Il n'y a pas ce que je veux. En fait j'aimerais ça mais en bloc plein. Et je crois qu'il n'y a pas... Mais est-ce que c'est ressemblant? C'est presque ressemblant, hein. Et ça, ça peut passer, tu sais quoi? Parce que ça, c'est de la pierre. Attends, t'inquiète, t'inquiète. Laissez-moi faire, les gars. Eh, ça peut être pas mal. D'ailleurs, eh, tant qu'on y est, les gars, on pourra toujours faire des... Ben, ça, c'est... Je précise, c'est comme tout, mais comme toutes mes séries, mais on pourra très bien faire des épisodes en live de temps en temps. Enfin, de temps en temps, rarement quand même, mais enfin, on pourra, on verra. Des lives avec... Bah d'ailleurs, eh, vu que Tounfou, eh, on va le mettre au défi. Vu que Tounfou, il est très fort en construction, en build, etc. Et comme bah, mes lives, je les fais chez lui, bah du coup, on pourra ensemble construire et continuer. Puis comme ça, vous pourrez interagir avec nous en direct et nous donner des idées, des conseils, etc. Et puis ça peut être cool. Donc franchement, cette série, je la sens bien, ça va être vachement sympa, quoi. Hop, on met ça là. On va mettre quelques stone slabs. Enfin non, stone brick plutôt. Un peu n'importe comment. Voilà. Et faut que ce soit aussi un parc écologique, les gars, hein. Parce qu'il faut que ce soit propre et tout, hein. Voilà, ça fait un peu... Je sais pas si on peut... Ça fait... Est-ce que ça fait propre selon vous? Dites-moi en commentaire si vous trouvez le sol propre. Est-ce que si on vous montre ça, vous avez l'impression que le sol est entretenu? Ou vous trouvez ça justement bâclé dans le sens que c'est pas entretenu? Donc dans le... Je mettrai un sondage en fait. Dans la situation où c'est pas entretenu, à l'intérieur du parc, on va faire un truc super clean. Et dans la logique où ça c'est clean, bah on continuera comme ça tout simplement. Donc voilà, on va faire des petites structures bah, pour l'entrée tout simplement. J'ai pas trop d'idées de comment faire. Pour les guichets, on pourrait... On pourrait. C'est vrai qu'après le truc c'est qu'on a l'embarras du choix. Attends, parce que j'ai une petite idée aussi de faire une guirlande. C'est pas non plus très original, tout le monde le fait, mais ça peut être cool. En quartz ça peut être marrant parce que... Attendez, ça peut être très marrant, attendez. J'ai une petite idée là. Attends, voilà. Regardez, parce que si on fait... Ah oui, merde. Bah c'est pas grave, attends. Quartz. Non. Quartz. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Genre ça, d'accord. Je ne peux pas mettre ça là-dessus. Très chelou. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors attends, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai une idée, les gars, c'est bon, j'ai une idée. Je tiens un truc. Ah merde, c'est peut-être un peu trop. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a un milieu? Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh putain, il n'y a pas de milieu, c'est une blague. Mais c'est une blague, vas-y, c'est ça les deux milieux. Alors attends, on va rallonger juste encore un petit peu. Non, pourquoi je casse? Je fais n'importe quoi. Pas casser. Voilà. Ici, tac, tac. On fait pareil. Voilà. Donc on va refaire monter ça là. Donc là normalement on a un milieu. Le milieu il doit être ici je crois. Normalement ça va être symétrique. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas symétrique. Putain! On avait un milieu en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Putain, on avait un milieu, j'ai fait ça pour rien les gars. Je suis nul. Bonjour, je suis nul. Je suis la nullité incarnée, très bien. Bah écoutez les gars, c'est pas grave. Je pense que ce genre de fail, ça va être régulier hein, dans cette série, hein, ça c'est moi qui vous le dis. Donc attends, on remet ça là. On met ça, tac tac tac. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est symétrique, impeccable. Juste ça là, voilà. Donc ça c'est bon, on va juste ranger tout ça. Alors, donc là c'est symétrique. On va faire, alors attends, attends, parce que ça c'est quoi ça? Ça on va dire que c'est un bloc d'intersection qui signifierait que là on peut faire ça. Donc c'est ok. Alors attends, vous inquiétez pas, Mkolo est dans la place. On va faire un truc de ouf. On va faire un truc balèze. Ça va ressembler à la cité d'Athènes mon gars. Ah merde, je me suis trompé. C'est ça que je voulais mettre. Voilà. Alors ok, très bien. D'ailleurs on pourra inviter si ça le tente, si j'arrive à l'inviter, la fourchette. Parce que la fourchette il est quand même très fort en building de, enfin en construction de maisons et tout. Et comme dans un parc d'attractions on fera des maisons etc. Enfin vous allez voir pourquoi. J'ai pas mal d'idées derrière la tête. Bah ça peut être très cool. On essaiera d'inviter pas mal de personnes dans cette série, ça peut être cool. Et même pourquoi pas des abonnés. Oh là là, j'en ai trop dit, zut. J'ai craqué au bout de 16 minutes de vidéo. Voilà, voilà. J'ai craqué. Alors attends, on va mettre ça comme ça. Alors, ça va être horrible les gars, mais vous inquiétez pas. Ah attends, ça va pas du tout être horrible les gars, j'ai une idée. J'ai une idée, attends, tu fais quoi là Chico là. J'ai une bonne idée. Vous inquiétez pas, il faut juste attendre que le résultat soit là, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Il y a du style là déjà. Alors attends, parce que j'aimerais faire un système de lampes. Alors attends. Redstone lamp. On va les mettre où les lampes? On va les mettre là, hein, c'est pas bien là. Non, on va les renforcer, enfin les mettre là à l'intérieur en fait. On va les mettre comme ça à l'intérieur. Ah, c'est trop. Ah, mais c'est une blague. Attends, il faut se mettre en peaceful parce que j'avais oublié qu'il y avait les mobs aussi. Faudrait peut-être les mettre plus près finalement. Ici c'est... Ah mais si c'est trop près. Donc alors attends, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. On va mettre des vitres blanches. Des vitres blanches comme ça. Ah attends mais je suis bête. C'est bon les gars, vous inquiétez pas. On va juste monter de 1. Voilà. C'est très la concentration les gars. Si on met comme ça, c'est impeccable. Donc ici on va mettre ça finalement. Voilà. Le mec qui se concentre. Je parle plus les gars. Voilà. Ça comme ça. Parfait. Voilà. Ça comme ça. Donc après là on va faire un système de redstone, enfin de redstone. Le gars il fait son professionnel, c'est pas compliqué du tout, mais je pense que vous voyez ce qu'on va faire. En plus il y a plusieurs façons de faire ce système, c'est à dire que j'ai le choix, j'ai l'embarras du choix, c'est vrai. On va faire tout de suite le système comme ça on sera fixé. Attends par contre il y a un problème de symétrie là. Non c'est bon. En gros on pourrait soit faire ça, genre mettre des rails détecteurs. Enfin et mettre un minecart qui passe comme ça. Ça c'est le truc classique, mais ça fait du bruit. On pourrait aussi plutôt mettre un système de clock comme ça. Et ça peut être pas mal parce que du coup on pourrait faire allumer plusieurs en même temps et pas tout en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre attends. Genre là si je décide de mettre donc une clock, une deuxième, une troisième, une quatrième. Tac, regarde, on fait un truc random. Comme ça, on met la redstone derrière. Tac 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 tac. Ah du coup il faut faire un système de clock. Attends. Enfin de clock. Je sais pas comment ça s'appelle hein. Ça c'est moi qui appelle ça comme ça. Les gars j'appelle ça comme je... Si je me suis mis en facecam, c'est pas pour me montrer spécialement, c'est surtout pour pouvoir vous expliquer ce que je ne pourrais pas vraiment expliquer avec le jeu. Tu vois, si je dois vous montrer un truc, par exemple je peux dessiner avec ma caméra, je peux vous montrer pas mal de trucs. Donc ça peut être pas mal de trucs. C'est un peu glauque ce que je viens de dire. Alors attends, on va faire ça comme ça. Non c'est pas bon. On va faire ça comme ça. Voilà, non, normalement ça devrait fonctionner impeccable. Alors, ça va un peu trop vite là. Ça va faire tout griller les gars. Ah ouais, ça va trop vite. Ça va... Vous voyez, ça n'a plus aucun sens. Il n'y a rien qui s'allume. Enfin bref, attends, on va encore faire un peu plus long. De toute façon, l'idée c'est pas de faire ramer les PC. Hein, alors, vas-y. Ah, ça marche pas comme je voulais. Ah, ça a son style, mais c'est pas comme ça que je voulais. Alors attends, on va, vous inquiétez pas. Ça, 2, 3, 4, 0. Ouais, ça marche pas comme je le veux. Ce qu'il faudrait faire, c'est... déjà, on va arrêter ce truc. On va... voilà, on va faire ça comme ça, c'est bon. Donc là, on laisse ça. Là, on met 2. Non, là, on met au taquet. Là, on remet 1. Et là on remet au taquet. Et on met derrière celui-là. On remet. Non justement on met au taquet et on met au taquet. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Attends. Faisons un test. J'enlève ça pour voir. Faisons un test déjà. Ah merde je suis bête. Non, le problème celui-là il reste activé. Donc ce qu'il faut faire c'est que derrière celui-là. Ouais ok c'est bon. Ah merde, d'accord, j'ai compris le problème. Le problème c'est pas ça, le problème c'est que une lampe de redstone active l'autre d'à côté. Regardez, je mets une lampe de redstone, elle s'active aussi avec. Donc ça change rien là ce que je voulais faire. Ah merde, bah du coup on va devoir faire des écarts. Ah mais c'est pas grave, attendez. C'est tout pile ce qu'il faut. Donc attends. Donc là c'est en synchronisation. Là maintenant il faudrait que... bah du coup c'est encore moins compliqué quoi. Ah bah parfait, comme des guirlandes de Noël, regarde. Là on pourrait même faire un décalage, regardez, c'est comme ça, ça n'aura plus aucun sens. Alors attends, comment on peut faire ça? Voilà, comme ça c'est carrément... Voilà, comme ça c'est même pas synchronisé, et là, hop, la petite dernière. Ah, là on est bien, là on est bien. Donc attends, là on a une petite guirlande comme ça qui fait n'importe quoi, ok. Est-ce qu'on pourrait rajouter... Parce que, attends, juste encore un test, si je mets ça là. Est-ce que, attends, ça on enlève. Est-ce que ça rend dégueulasse? Ah c'est bien quand même ça comme ça finalement. Dites-moi comme d'habitude ce que vous en pensez. J'essaierai de mettre le plus régulièrement possible des sondages. Le problème c'est qu'on peut pas mettre plus de 5 sondages sur YouTube, donc c'est vraiment dommage. Mais ça devrait être plutôt pas mal là. Je pense que c'est pas mal. Donc là on est bon. Est-ce qu'on fait ça comme ça? Très bonne question. Non, dégueulasse. Je sais pas pourquoi je voulais faire ça. On va tout simplement... Parce que ça, on va pas remettre comme ça. Parce que le problème, c'est que de là, si on rebouche en dessous... Du coup, on va pas reboucher en dessous, mais le problème, c'est que là, les vitres, elles flottent et c'est dégueulasse. Putain, attends. Si je mets ça, on verra plus la lumière. Déjà. Voilà, on la voit presque pas. Ah, mais attendez, je suis bête. Il suffit de mettre la glace là. Et là. Voilà, là c'est bon. Donc ça c'est bon. On va mettre par-dessus ce truc. Comme cela. D'ailleurs au niveau des durées des vidéos, bah, ça va dépendre en fait de mes envies. Ça peut durer très longtemps. Surtout que c'est pas une série très complexe finalement. Donc là ça devient trop dégueulasse. Là ça commence à devenir dégueulasse, donc ce qu'on va faire c'est que on va reprendre les blocs. Y a un bloc qu'on n'a pas encore utilisé avec le quartz, c'est tout simplement celui-là. Donc il serait peut-être temps qu'on fasse attention. Regarde, voilà. Bah voilà, on va faire ça comme ça. Tout simplement. Juste encore ici. Voilà, là normalement on est symétrique. Il me faudrait juste encore, parce que celui-là on le voit pas, le cheese laid qu'on va mettre comme ça. Impeccable, impeccable, impeccable. Ça y est, on commence à tenir un truc les gars. Là on commence à tenir un truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là on commence vraiment à en tenir quelque chose de très sympathique. Je remarque que j'ai allumé mes LED, mais que ça ne sert à rien puisqu'il fait encore jour. Voilà, très bien. Ok, donc là il suffit juste de reboucher. Alors on va faire un truc. Déjà on va casser le système. Désolé. Hop, on va remettre. Attends, d'ailleurs je vais juste augmenter d'un cran pour voir si ça peut être mieux. Et je vais mettre un levier. Comme ça on pourra à tout moment l'arrêter. Ah bah non du coup. En fait j'aimerais faire un système pour qu'on se casse pas la tête. Alors attends, vous inquiétez pas. De toute façon il faut que le plafond il soit long. Donc autant en profiter et mettre tout un système là-haut. Les gars, on va pas se casser la tête. Regardez, hop, hop, hop. J'aimerais que, en gros, on prend ça. Ouais, parfait, ça va marcher ce que je veux faire. Ce que je veux faire va fonctionner, les gars. On va changer d'endroit cette cloque. On va prendre la redstone. On va la relier là. On va la relier là. Ici, on refait une cloque de la même façon. Non, pas comme ça. Donc, on remet au taquet. On relie tout ça. On fait passer le système là, tac. Sauf que là, bam, on met... Ah merde, attends. En gros, pour expliquer, j'ai une idée. Voilà, normalement, ça devrait marcher. Attends, si je mets une... Parfait, ça fonctionne. Puisqu'en fait, quand tu mets un bloc, mais qu'il y a un repeater derrière, ça passe à travers le bloc, on est d'accord. Donc ça veut dire que si on enlève le bloc, bam, là, ça ne passe plus. Donc, il suffit de mettre ça, de l'activer. Ah ouais, non, par contre, le... Ah merde, bah voilà. De le mettre là. Tac, de l'activer. Hop là, voilà. Parfait. Tac. C'est bon, on a la maîtrise, on a la maîtrise. Donc là, si... donc déjà, on va activer. Donc voilà. Donc là, on a le système qui fonctionne. Et si je clique là-dessus, tac, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, je rappuie dessus. Et hop là, les guirlandes refonctionnent. Donc là, voilà, c'est le mode lag. Enfin non, là, c'est le mode pas lag. Et là, c'est le mode lag. Voilà. Pas mal, pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et en plus, là, c'est bien, là. C'est carrément random maintenant. Ça fait n'importe quoi, limite. Là, c'est bien. Là, j'aime bien. Là, franchement, j'aime bien. On va désactiver, du coup, le temps de faire tout ça. Donc, ça, c'est bien. Ce qui serait pas mal, ce serait... Ouais, je vais pousser, hein. Je vais casser les couilles, mais... c'est vraiment pour le côté cool. On va mettre ici un levier. Voilà. Comme ça, au moins, imaginez, vous avez un ordinateur mauvais. Vous pouvez appuyer sur le levier, là. Hop là. Et ça désactive. Et c'est magnifique. Ok, on est bon, on y arrive, on va remettre le jour. Bah, on va bientôt s'en arrêter là, hein. Je vais juste terminer vite fait. Bon, pas l'entrée, il faut qu'on mette les PNJ, etc. On va juste terminer le haut un petit peu, si c'est possible. Donc là, après, on n'a pas besoin de faire très joli. On n'a pas besoin de faire très esthétique ici, puisqu'ici, on voit pas grand-chose. Là, on referme. Là, on fait comment? Parce que là, j'ai mis une... Ah bah voilà. Alors, attends. Il y a un problème, les gars. Attends, ma souris qui ne fonctionne plus, ça fait plaisir. Il y a un problème de symétrie. Parce que là, je peux mettre ça. Attends. Il y a un problème de symétrie. C'est quoi ce bordel encore, là? Là, on a la chiselade. Là, on a la chiselade, ok? Sauf que derrière la chiselade, il est censé y avoir rien. Ah, mais j'ai fait n'importe quoi. Ah, c'est pour ça. On va y arriver, on va y arriver. Ah, et le problème c'est que comme j'ai... bah c'est pas grave. Regardez, hop. On met ça. Voilà, c'est joli. Non, merde. Voilà, comme ça, ça tient. Tac. On a fait comment là? On a fait ça comme ça. Donc... Voilà. On y arrive les gars, on y arrive. Donc là on a un petit... Attends, j'appuie dessus pour voir si ça fonctionne toujours. Yes, ça fonctionne. Et là on désactive. Parfait. Ok, maintenant... Bon bah il suffit de tout reboucher, hein. Écoutez, le moment de l'éclate, j'ai envie de dire. J'espère que ça va pas tout faire bugger. Non, normalement ça c'est bon. Voilà. Tac, 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 tac. On va juste au cas où mettre une petite torche. On sait jamais ici. Tac. Voilà. Et voilà, on a fait donc le plafond. Alors le plafond n'est pas terminé. D'ailleurs, il faut qu'on fasse un truc symétrique. Donc ici, nous avons un levier. On a surtout un bloc ici. Alors attends, il est là. Comme ça. Attendez, attendez, je fais n'importe quoi. Voilà, le bloc il est là. Et là, ça descend. Voilà, donc là on est bien. Attends, là c'est pas mal ça de faire ça, non? De faire un petit contour comme ça et après de remettre, même si c'est pas très... Bah si, on peut faire ça symétriquement. On a mis combien? On a mis 1, 2, 3, 4 de blocs, donc on peut faire 1, 2, 3, 4. Ici on en remet. Et là on est pas mal. On fait ça, on remet un bloc là. Bah d'ailleurs du coup on va mettre ce bloc là finalement. Donc attends, on va faire ça là-bas aussi du coup. On va enlever le levier. Hop. On met ça, on remet le levier. Parfait. Et du coup on refait ça là. Eh, on tient un truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais on tient déjà un truc là, clairement. Faut juste pas casser le plafond. Et là, hop là, on arrive à l'entrée du parc. Donc là évidemment temporairement je mets juste ça, juste pour qu'on comprenne que là c'est censé être l'entrée. Donc là vous m'aurez répondu en commentaire, etc. Mais là, on mettra le sol correct s'il le faut. Donc là, on a l'entrée. Et donc là, on mettra les guichets. On s'occupera de ça pour le prochain épisode. Peut-être tout seul, peut-être accompagné. Sûrement accompagné, hein. J'espère en tout cas que cette série va vous plaire. Ne regardez pas mon skin. Attends, tu sais quoi? On va faire un truc juste pour le kiff. Alors attends, on va faire ça comme ça. On va faire tac 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 tac. Voilà, vu que je peux pas avoir cette armure dans Madventure. Comme ça vous voyez pas mon skin, parce que ce skin n'est pas fait pour cette série là. Voilà, et donc j'espère que cette série va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager comme d'habitude. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde.